mode de tir. Je peux choisir mode de tir. C'était quoi déjà? Ah non, je peux pas. Je vais pas récupérer si j'en suis encore. Alors, bon, faut aller par où là? Alors là, il y a encore un truc là. Pas monter là-haut? Non. Donc c'est par là qu'il faut aller, je crois. Par ici, non. Ah merde. Ouais, je suis pas allé nulle part. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est le bon sens au moins, ouais, c'est comme ça. Je peux passer par les fenêtres. Ah bah d'accord, ok. Fusil à pompe, ça c'est bon ça. Ok, donc j'ai le dernier code, je crois que ça va être le dernier. On verra, on s'en fout. Ah, claque. Alors là, tu vois, le scénario m'a bien foutu la haine. Hein, donc là, j'ai bien vraiment envie de les niquer et de leur faire mal. Allez, salopards. Ah, le fusil à pompe, j'aime bien. Enfin, fusil à pompe, fusil de chasse, quoi. Il n'y a pas ça un fusil à pompe, c'est un fusil de chasse. Trouver la santé et trouver Anya. Oui, oui, on va la trouver, t'inquiète. Mais couille. On va te la ramener, ton Anya. Bouge pas. Alors, on va juste s'assurer qu'on n'a rien oublié. Avoir suffisamment de munitions pour tout. Par là. Ah oui, on va retourner en bas alors. Putain, j'avais même pas vu comment on pouvait passer. Je sais même pas d'où on vient. Alors.
oui, sur Steam, quand je l'ai précommandé, j'ai eu peur parce que en configuration minimum, il mettait un i7. Je me suis dit merde, mais qui a un i5 de 1500K. Et en fait, non, ça va être la configuration recommandée qu'ils avaient mis. Mais là, ça va, c'est plutôt fluide. Hein. Putain, c'est long le rechargement. Donc ça c'est fait. Ah, c'est pas mal. Franchement, si vous aimez bien les FPS un peu bourrin, que vous pouvez, comme vous avez vu, jouer un peu furtivité si vous avez envie, qui sont fun, voire jouissifs. Avec un scénario, enfin une mise en scène, un scénario, ça se discute. Moi je le trouve correct. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il est vraiment pas mal. Enfin moi je trouve en tout cas. Ok. Oula. Voilà. Attends, on va changer de tactique. Ça c'est bien cool. Excusez-moi. C'est quoi ça? Voilà. Ça pue là. Là je la ramène moins ma gueule là. Alors ça sneak comment ça? Ça sneak ça non? C'est quoi ça? Ah d'accord, non, je crois que c'était le truc là, qui s'était foutu en route. Voilà, tu manges. C'est ça qui me fait mal là. C'est quoi cette vermine? C'est vermine là, c'est saloperie ça. Alors est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? C'est assez, les extérieurs sont assez jolis aussi. C'est vraiment pas mal. Hein. J'aurais dû mettre Fraps pour voir, mais là on doit être à 60 fps constant, je suis sûr. Il y a un truc là. Ok. Ah putain, allez. Ah non, elle est pas morte, ça va. Je s'occupe de toi, viens, t'inquiète.
chaud. C'est bien gore, j'aime bien. Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz. Ranger Army. USA. USA. Je m'excuse, je ne parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire? Pour aller où? Il y a un mec dans le coffre. Qui va le défoncer à coup de pied de biche. Bah oui, bah lui, il faut le... Si, il faut. Quoi que ça se trouve, c'est un espion. Ils pleurent la mort de leurs proches. Je ne peux pas partager les pleurs. Trop poignante. La mienne inonderait les océans. Elle me noierait si je la libérais. On est en 60. 1960? Oui. Vous avez passé 14 ans au centre. On est en 60. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus d'armée ici, non? Ça peut pas être fini, ça grouille encore de nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les Américains dans tout ça? Les États-Unis. Comment on dit? What the Dutch? Capitulé, ils ont... À cause de... À cause de la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. Je vais chercher la résistance, je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non, 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 il n'y a plus de résistance. Tous les membres ont été capturés. Les survivants, les nazis, les ont enfermés. Et où il les garde tous, on ne sait pas. Oh. Ça va pas, je suis pas... C'est pas mon monde à moi, ça, qui dit... Je suis pas d'accord, hein. Je suis un commandant entraîné et expérimenté. Travaille sous les ordres du général Strass en personne. Est-ce que vous savez quel sort vous attend si vous ne me libérez pas? Ça ne sert à rien de me retenir ici. Je vais te défoncer, toi. Vous, l'infirmière et sa famille, si vous me laissez partir immédiatement. Vous avez ma parole. D'accord. Ah ben, je vais te croire, t'inquiète, attends. Est-ce qu'il y aurait des fois des tenailles ou un truc comme ça, là, que je te fasse les ongles? Alors, je vais s'occuper de toi. Donc, oh, une tronçonneuse. Besoin de protection. D'accord. Pardon, toujours cette toux. Alors, Malawi, 8 octobre 1960, cela fait bientôt 5 ans que les meurtres ont cessé, mais les gens n'ont pas oublié l'impitoyable tueur en série de Malawi. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet homme à assassiner d'innocents Allemands, avec une telle brutalité? Pourquoi les autorités n'ont-elles pas réussi à l'arrêter? Nous allons nous pencher sur l'enquête et sur les
et sur les séquelles que ce meurtrier a laissées sur Malawi et ses habitants. D'accord. Putain, il faut très bien un coup de tronçonneuse dans la gueule à lui. Là. Alors là, on approche, ça va être la fin de la deuxième heure de jeu. Ah voilà, ça c'est bon, on va s'occuper de lui. Je suis désolé, ça va être cruel a priori. Savez-vous qui je suis ? Ouais, justement, c'est à cause de qui tu es. Alors, oui, donc on va torturer cet enculé là. Besoin de protection ? Bah ça y est, je l'ai mis la protection là. Attends. En dehors d'un tablier, tu veux que je mette quoi ? Ah, des lunettes de protection. Ah, je s'occupe de tout. Donc on se le fait là, le bâtard en chef. Et puis après je vais interrompre la vidéo, je vais compresser les nouvelles vidéos et puis vous les mettre aussi sur internet. Et je vais m'occuper de ta gueule. Attends, bouge pas bâtard, qu'est-ce que tu crois? T'as cru quoi toi? On va d'abord te faire un bras. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous poser une question. Et vous, vous allez me donner une réponse satisfaisante. Et si jamais elle ne me convient pas, je vais me servir de cet engin pour vous décapiter. C'est compris? Bien, on commence. Où maintenez-vous prisonniers les résistants que vous avez capturés? Navré, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. T'es mal Il parti. Il n'y a pas de résistance. Ben, rigole pas, il y avait un bilan d'essence sur l'établi. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les combattants de la résistance? Vers la prison d'Eisenhardt. Mais vous n'y arriverez jamais. Il y a des barrages partout. On vous recherche. On vous recherche tous les deux. Ils vous trouveront bientôt ici. Et ils vous mettront à genoux. Merde. Willkommen, willkommen. Jest dziś przystojny chłop, panie Boskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale... Il est sympa, le pépé. Je l'adore. T'as rien que pour me faire chier, ils vont te buter, tu pars. Alors en route pour Berlin. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais laisser finir la cinématique là, et on va faire comme tout à l'heure. Faut faire gaffe hein, avec Pépé. Bon, donc on va se laisser ici. J'espère que vous avez aimé. Je vous encourage vivement à liker, partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à tout de suite. Allez, bye. Maman, vite.